Salut à toi, bienvenue sur l'entrepreneur africain. Si c'est ta première fois de me découvrir au travers de cette vidéo, je m'appelle Ali Christianom et sur cette chaîne, je parle de l'entrepreneuriat, je parle de business et de l'investissement. Car je suis convaincu que la communauté noire doit s'appuyer sur ses piliers pour faire immerger notre continent. Alors, si tu es intéressé par les business en Afrique, par l'investissement en Afrique, je t'invite tout simplement à aller dans la barre de la description, à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, je me permets de partager avec toi 4 idées business que tu peux lancer avec 10 000 francs. Et reste jusqu'à la fin pour découvrir ces 4 idées business. Parce que ces 4 idées business, si tu m'écoutes bien et tu choisis la meilleure idée qui t'intéresse, tu vas te faire d'énormes argent. Alors, le premier business dont je te propose que tu peux lancer avec une somme de 10 000 francs, c'est de faire des chips. C'est un business qui marche très bien parce que les enfants aiment manger les chips. Presque tout le monde aime manger des chips. Et c'est un business que si tu te lances dedans, tu vas te faire d'énormes argent. Parce que de nos jours, c'est un business qui marche très 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 bien. Et reste attentivement et écoute-moi bien les stratégies, les techniques que je vais te donner pour que tu puisses te faire d'énormes argent. Tu peux faire des chips à base de la patate douce, à base de la banane, à base du manioc et autres. Donc si tu sais faire des chips, c'est déjà un pas. Donc, ça te permettra d'aller très rapidement. Mais si tu ne sais pas faire des chips, la meilleure des choses, c'est d'aller te former. Ou bien, tu peux aller sur YouTube, tu trouveras des tutoriels qui vont t'apprendre à faire des chips. Donc, tu te formes et tu fais des chips. Maintenant, avec tes 10 000 francs, tu prends 7 000 francs pour acheter des matériels et autres pour pouvoir faire tes chips. Maintenant, les 3 000 restants, tu prends 2 000 francs et on te fait du marketing. Et sur ton marketing, il faudrait qu'on mette ton logo, ton contact. Puisque si une personne achète et emporte chez elle, lorsqu'elle va vouloir acheter, la personne va t'appeler et tu peux et passer la commande. Donc, tu fais un bon packaging avec les 3000 francs, tu fais un bon packaging. Et maintenant, où est-ce que tu vas vendre? Il ne sert à rien de faire tes produits et ne pas savoir où est-ce que tu peux vendre tes produits. Alors, la première des choses, c'est de trouver ta population cible, qui sont des personnes qui achètent ces produits, les chips. Souvent, ce sont des enfants qui aiment consommer les chips. Il y a presque la majorité des personnes, mais plus précisément les enfants, les jeunes qui aiment manger et les femmes qui aiment manger des chips. Maintenant, où est-ce que tu vas pouvoir vendre tes chips? Tu peux aller proposer tes chips ou dans des marchés. Et où est-ce que tu peux encore proposer tes chips? Tu peux proposer tes chips encore dans des écoles. Donc, tu vas dans des écoles, tu déposes tes chips et tu vas te faire d'énormes argent. Et aussi, tu peux déposer dans des boutiques qui sont au bord de la route ou les exposer au bord de la route. Donc, tu vas te faire d'énormes argent. Et si tu veux aller à loin, tu peux aller sur Internet, tu vas publier ça, tu vas parler de tes produits sur WhatsApp, tu vas parler de tes produits sur Facebook et tu vas te faire d'énormes argent. C'est un business qui marche très bien. Il suffit de savoir comment t'y prendre. Et avec tes 10 000 francs, si tu commences et tu es sérieux, je pense qu'à la fin de l'année, tu pourras faire un chiffre d'affaires de 1 million de francs. C'est possible. Alors, le deuxième business dont je te propose, c'est de faire des sacs. Il y a des sacs qu'on fait à base des nuts. C'est des sacs qui rapportent gros. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes, lorsqu'elles veulent, nos mamans, lorsqu'elles veulent aller dans des marchés, elles ont du mal à trouver des sacs. D'autres tiennent des bafara, mais si le problème, elles ont du mal à trouver des sacs dans lesquels elles vont mettre des condiments, des choses qu'elles vont acheter au marché. Donc, si vous faites ces sacs, ça viendra répondre à ce problème qui se trouve chez les dames. Donc, la population cible, c'est les femmes, c'est les mamans. C'est les mamans, les jeunes filles qui s'en vont au marché. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, avec ces 10 000 francs, vous allez acheter des nuts. Et maintenant, vous allez venir faire ces sacs à base des nuts. Donc, vous achetez, si vous ne savez pas comment faire, allez sur YouTube, vous allez trouver des tutoriels qui vous apprendront comment les faire. Ou bien, vous allez vous former auprès de quelqu'un qui sait le faire dans votre entourage. Et vous allez vous lancer dans ces créneaux-là. Je pense que vous allez vous faire d'énormes argent. Alors voilà, la population cible, les personnes que vous allez proposer sont des femmes, les jeunes filles. Parce que c'est elles qui aiment aller au marché, acheter des condiments, acheter des autres choses. Alors c'est un business qui marche bien. Donc je vous invite à vous lancer dans ce business si ce business t'intéresse. Alors le troisième business que tu peux lancer avec une somme de 10 000 francs, c'est de faire les foulards. Oui, c'est de faire des foulards. Aujourd'hui, plusieurs femmes veulent, nos soeurs, nos mamans veulent se faire belles. Elles veulent avoir quelque chose sur la tête. Alors, faire des foulards, vous pouvez vous rendre énormément riche. C'est-à-dire avec ces 10 000 francs, si tu sais faire des foulards,
des foulards. Vous allez faire des foulards que vous allez proposer à des jeunes filles, à nos mamans. Parce que souvent, nos mamans, lorsqu'elles veulent aller à l'écrit, lorsqu'elles veulent sortir, elles veulent mettre des foulards sur la tête. Et c'est très joli. C'est très joli, très remarquable. Donc, vous pouvez vous lancer dans ce créneau-là où vous allez apprendre à faire des foulards. Donc, vous faites des foulards et maintenant, vous allez les vendre. Donc, où est-ce que vous allez vendre ces foulards? La première chose, commencez par votre entourage. Parce qu'avec les 10 000 francs, peut-être que vous allez produire 4 à 5 foulards. Donc, vous allez commencer à les proposer à votre entourage. Après d'avoir vendu ça, maintenant, vous pouvez élargir la production. Et je t'encourage à te lancer dans ce business. Alors, le quatrième business dont je te propose que tu peux lancer avec une somme de 10 000 francs, c'est d'aller au marché. Et avec tes 10 000 francs, tu vas acheter des sacs. Il y a des sacs que les femmes tiennent, des sacs à main. Donc, tu achètes ces sacs à main au marché. Donc, et tu viens, tu les revends. C'est-à-dire, tu achètes en gros. Donc, souvent, on vend ça en gros. Donc, tu achètes ça en gros et toi, tu viendras revendre ça en détail. Donc, tu t'en vas au grand marché de ton pays. Si c'est au Togo, tu vas au grand marché qui se trouve dans ta ville, si c'est Lomé. Tu vas aller au grand marché, à Sigamé, où tu vas acheter tes sacs à main dont les filles tiennent et les mamans tiennent. Donc, tu vas te faire d'énormes argent. Maintenant, comme ça, avec 10 000 francs, tu ne peux pas déjà mettre un site sur lequel tu vas vendre, non. Donc, comment tu vas t'y prendre? Tu viendras proposer ça à tes soeurs, à ton entourage, les filles qui sont le fait, les filles et le maman qui sont à ton entourage. Donc, tu leur proposes tes sacs. Maintenant, lorsqu'elles vont acheter, donc ça veut dire que l'argent va augmenter, ton capital va augmenter, tu vas aller réacheter encore beaucoup. Maintenant, après avoir acheté aussi, tu viens aussi, tu proposes à ton entourage, tu élargis en allant. Tu peux te promener avec ça, tu peux te promener avec ça. Ou bien si tu veux encore aller loin, tu peux aller encore sur les réseaux sociaux et tu vas te faire d'énormes argent. Alors, je viens de vous dévoiler 4 idées business que tu peux lancer avec 10 000 francs. Donc, mes frères, arrêtez de dire que non, il n'y a rien, non, j'attends des millions pour commencer un business, non. Vous pouvez déjà vous commencer dès aujourd'hui avec le peu que vous avez. Déjà avec 10 000 francs, vous pouvez déjà commencer quelque chose. Et si vous êtes déterminé, passionné, vous pouvez être millionnaire grâce à ces 10 000 francs que vous avez démarré aujourd'hui. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à liker la vidéo, à partager au maximum à vos contacts, à votre entourage. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.